Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter ceci. Alors ceci en fait c'est une vitre transparente de protection pour iPad effet papier. Alors il y a la marque Paperlike je pense qui est assez connue et là c'est une autre marque donc j'avais vraiment envie de tester. Ça fait là maintenant 2 semaines que je l'ai reçue, que je l'ai placée et je vais un peu tout vous expliquer en détail. Donc ce que je vais faire c'est d'abord vous montrer là maintenant le bruit que ça fait quand je dessine sur mon iPad sans film de protection, donc depuis que je l'ai, je dessine comme ça. Ça fait un bruit de vitre, tout simplement. Alors, pour placer la vitre de protection, je vous avoue que j'ai un petit peu galéré, je vous mets les images là maintenant. Il faut d'abord en fait laver son écran avec un petit film en tissu et avec un petit papier autocollant qui permet d'attraper toutes les petites poussières. Donc jusque-là, ça va très bien. Après, je vous avoue, j'ai eu un peu plus de mal, mais malheureusement, je sais pas comment ça se fait, mais cette partie-là de vidéo, je crois qu'elle a pas dû être enregistrée, donc c'est vraiment idiot, c'était le plus important. J'ai un petit peu galéré, finalement, ça s'est très bien passé vers la fin, et d'ailleurs, je n'ai aucune bulle, donc ça, vraiment, je suis très contente. À la fin, ça s'est bien, bien placé. Et donc, voici le résultat. Donc, je sais pas si vous voyez au début, mais en fait, il y avait pas mal de reflets quand même, et là il n'y a plus, enfin il n'y a plus, il y a beaucoup moins de reflets, c'est en fait ça donne un fini mat. Alors pour être totalement franche avec vous, j'étais presque sûre en fait de ne pas aimer parce que je déteste en fait toucher les matières, enfin je sais pas, des matières un peu grumeleuses comme ça, surtout avec quelque chose, enfin un crayon. Donc j'étais presque sûre de pas du tout aimer et finalement je vous assure que ça me dérange absolument pas. Donc vraiment, j'ai été très 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 surprise. La seule chose que je trouve vraiment dérangeante, un petit peu quand même, c'est, je vais mettre une feuille blanche, comme ça vous verrez mieux. C'est que lorsqu'on est en train de dessiner, en fait, on ne voit pas bien du tout à l'écran, peut-être un peu. Il y a tout plein de petits points noirs, en fait. Le film mat donne un effet, de petits points. Tous des petits, comme voilà, des petits points noirs tout petits, et donc ça peut être dérangeant parce que finalement on a l'impression que ça donne un rendu un petit peu flou, mais on s'y fait vraiment très vite. Je vais essayer de vous montrer ça. Je sais pas si vous voyez, je pense que ça se voit pas vraiment à l'écran, mais voilà, mais c'est pas le plus dérangeant, même si c'est vrai que ça donne un effet un petit peu spécial. Alors j'imagine que ce que vous attendez tous, c'est de. Finalement entendre le bruit que ça fait et l'effet que ça donne quand on dessine sur tablette. Alors, faut mieux que je fasse avec un crayon. Donc je sais pas si vous entendez bien là, mais ça fait bien le bruit comme si on dessine sur un crayon. Donc ça c'est vraiment hyper impressionnant. Donc là je vous ai pas fait un truc dingue du tout, je fais du n'importe quoi. Mais on entend bien en fait que ça fait un effet crayon, vraiment un crayon. Et alors quelque chose de très important que je voulais vous dire, c'est qu'en fait je ressens vraiment qu'il y a beaucoup plus de contrôle. C'est-à-dire que quand je veux faire un rond, je sens vraiment en fait que je contrôle mon trait en fait. Avant je sais que si je voulais faire un trait, ça allait plus facilement glisser sur mon écran et j'allais moins avoir de contrôle. Et ici j'arrive à contrôler parce que quand je m'arrête net. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je pense que ceux qui ont une tablette comprendront. Mais sinon, ouais, on avait plus de mal à arrêter net et à finalement avoir du contrôle sur ce qu'on dessine. Et ça c'est une grande différence parce que je me loupe beaucoup moins facilement. Dans ce que je veux réaliser, vraiment j'y arrive beaucoup plus facilement à faire les traits que je veux sans devoir recommencer 10 fois. Et voilà, c'est un énorme point positif que j'aurais pas cru qu'il allait être finalement là. Pour information, j'ai oublié de le dire, il y a 2 films de protection dedans, donc ça c'est pratique au cas où vous l'avez mal placé au pire. Et qu'il y a un gros problème, vous pouvez changer. Et aussi parce que, et ça c'est vrai que c'est un petit point négatif, personnellement chez moi ça fait des griffes, enfin je pense que ce sont des griffes, ça griffe un peu mon écran, enfin mon écran, le film de protection. Donc là mon écran est pas hyper hyper propre, vous le voyez pas vraiment je trouve, mais ça fait des petites griffes. Alors une fois allumé ça se voit pas du tout, mais à voir à long terme si finalement ça c'est dérangeant, ça il faudra voir. Alors c'est tout en fait pour cette petite présentation, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire vous, ce que vous si vous l'avez testé, si ça vous tente ou quoi. Donc j'espère en tout cas que ça aura pu aider certains. Il n'y a pas de vidéo sur en français vraiment dessus, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant.
En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller voir mon Instagram, ma boutique, tout ce qui est en barre d'infos en fait, ainsi que vous abonner à ma chaîne et aller voir mes précédentes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!